Et bienvenue au Playground of Possibilities. Un maximum de bruit pour Paul Pogba, s'il vous plaît. Issa, il est parti là-bas, Issa. Il est parti demander des trucs. CM la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vraiment très spéciale aujourd'hui. Vous voyez mon maillot Adidas, même mon pantalon, il est Adidas. En fait, on est invité à un tournoi ou une inauguration du nouveau stade de Monsieur Paul Pogba. On va aller dans sa ville là. On va aller le voir. Enfin, je sais pas s'il sera là parce que là, c'est l'Euro. Je suis avec Yacine et on va aller chercher Sofiane et Issa. Mais en tout cas, là, on va voir Paul Pogba tout de suite là, maintenant, grâce à Adidas. C'est parti. Du coup, on doit tous habiller en Adidas. Toi, elle est stylée ta tenue. Hein. Même toi, c'est toi là, mais c'est toi le plus beau gosse. Non. Les gars, mon frère, il est beau gosse, mon frère. Par contre, tu l'as mis des Asics. Y a pas une fille là qui cherche un mari, mon frère, il est beau gosse, les gars. On n'a pas de basket Adidas, donc du coup, désolé. On va mettre tes Asics et moi, je suis obligé de mettre ça. Et si on doit jouer, est-ce que je vais devoir faire montrer mon talent comme ça là? Vas-y, on est en retard là déjà. Arrête comme ça. On est en retard là. Si tu vois Paul Pogba, tu veux dire quoi? Oh, Paul Pogba. Je veux dire Pogba, je te suis depuis la Juve. Demande-lui si on fait une vidéo avec lui. Ah ouais, c'est vrai. Là, on est vraiment en retard là. On va faire notre prière avant de aller, c'est l'heure. Ça va, la prière? Ouais, ça va les gars, excusez-moi, salam alaikum. Ça va, Issa? Désolé, on était bloqué dans les bouchons. Ça arrive. Ouais, bon, bah on va essayer de se retrouver là-bas, Inch'Allah, tout de suite. Bon, on est bien arrivé, on arrive à temps. Là, on nous emmène voir Monsieur Paul Pogba, regardez là-bas là. Aujourd'hui, le but c'est de trouver une Mara Yacine. Non, c'est trouver Paul Pogba. Ah merde. Le but c'est de trouver Paul Pogba, il est là-bas, il y a son affiche là-bas, là, je vais vous zoomer ça. Bon, c'est parti, stade de Monsieur Paul Pogba. Ah oui, faut pas demander une petite photo. Bon là, on est monté là-haut. On a une vraie vue du stade. Hein. On a une vraie vue. En fait, la partie du haut, c'est que pour les gens. Ouais, les parties du haut, c'est pour ceux qui ont le badge. Sinon, on a rencontré plein d'abonnés, ça fait plaisir. Mais le stade, il est vraiment petit par contre. Bah, c'est normal, c'est un city. Ouais, c'est vrai. Et bienvenue au Playground of Possibilities. Bonjour, Roi C1. Faites déjà un maximum de bruit pour voir un peu l'ambiance. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonjour tout le monde, ça va ou quoi? Ça fait plutôt plaisir de faire ça ici. Un maximum de bruit pour Paul Pogba, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis fier de pouvoir rassembler aujourd'hui des personnes d'horizons si différents au cœur de Roissy, la ville où tout a commencé pour moi, pour inaugurer un nouveau terrain de football. C'est un lieu pas comme les autres, puisqu'il a été conçu à partir de 10 tonnes de chaussures Adidas recyclées. J'espère rassemblera tous les amoureux du ballon rond. Tous ceux qui ont, comme moi, sont convaincus que rien n'est impossible. Je suis fier d'être au cœur d'un tel projet et je suis honoré de pouvoir inspirer la nouvelle génération. Et maintenant, je vous laisse découvrir le Playground of Possibilities. Let's go! Les pros. Yacine, tu vas pas jouer? Moi, je veux pas jouer, moi. Je vais se montrer de ma famille, de mes amis et de mon quartier, la Renardière. Roissy-en-Brie m'a vu naître, m'a vu toucher mon premier ballon, m'a vu grandir. Thank you.
sédentaire, à cœur ouvert, Bousca colombien, Pauline, des graines de footballeuse. Oui, oui, ça c'est bon, là là, très sucré. Doria, normalement, est dans la maison aussi. Lui, il a beaucoup parlé. Lui, il a beaucoup parlé. Tu n'as pas dit Thierry Lyon? On va voir ça aujourd'hui. Oh! Ok. Oh. Oh. C'est pas possible ça. Replaçage. Allez, pression, pression. Mais quelle force tranquille. T'es arrivé, le sol s'allumait comme Billie Jean. Mais ça va doucement. Ok. Pas mal. Bon les gars, au niveau de Paul Pogba malheureusement il a pas pu venir parce qu'il est à Clairefontaine et je crois qu'il y a le Covid, c'est-à-dire il a pas pu venir. Là on est avec, c'est quoi vos prénoms? Samy. Ilyes. Vous habitez ici? Ouais. Est-ce que vous êtes du quartier à Paul Pogba? Ouais, non, moi je suis vers les grands champs, il y avait ses parents. Et vous l'avez déjà vu ici? J'ai vu une seule fois. Ah, c'est dommage qu'il n'est pas venu. Hein. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire une photo? Vous voulez faire une photo? Vas-y, vas-y. Vas-y, photo. C'est carré. Avec toute l'équipe, on va faire une photo avec toute l'équipe. La petite photo, c'est bien parce qu'on a vu, quelques abonnés. Ça fait plaisir de voir les abonnés en vrai. Là, on l'a, ça fait plaisir, voilà. Ouais, la petite photo, c'est un kiff. J'ai grave peur d'un truc, les gars. C'est que on est dans un foyer de contamination de Covid. Il y avait 1 million de personnes. Je pense qu'on a le Covid, là, je pense. Et ça me disait, il a oublié que le Covid, il est parti. Là, on est 1 million. C'est un truc de malade. Tout le monde se tient. Sofiane, je savais pas que t'avais percé. Hein. Il y a la nouvelle voiture, la Merco à Sofiane. Elle nous fait plaisir. Ça, c'est la voiture à Issa. Là, c'est la voiture à Yacine, la Golf. Non, Yacine, c'est pas celle-là. Non, Yacine, sa voiture, c'est celle-là, là-bas, la police. Moi, c'est la GLE, les frères. Toi, c'est la GLE, toi? Moi, c'est la police. Il y en a qui est malin, je l'embarque. Yacine, c'est devenu, c'est devenu un keuf. Allez, je l'embarque. Ramène-le dans ta Gova. La police. Moi, je suis venu en T-Max. Regardez, les gars, mon T-Max, il est là-bas. Il est éclaté. Il est éclaté, mon T-Max. Et bah, t'en feras pas pour la peine. Quoi? C'est un 50? C'est un 125cc. Ouais. Franchement, merci, ça m'a fait plaisir. Ouais, merci. Il y avait des abonnés, il y avait Maes, il y avait Yeska, franchement, ça nous a fait plaisir. Il y avait Yacine, il y avait Yacine. Non, c'était les abonnés, dommage, il y avait Yacine. Dommage, on n'a pas joué. Il y avait les abonnés, Maes et Yeska. Dans cet événement pour faire les événements publics. Non, ouais, la côte familiale. Dommage, t'as pas dit, il y avait Yacine. Oh, il y a la police là-bas, les gars. S'il y a la police, vous leur montrez ça, ok? Le badge. Eh, mais ça marche de fou. Là, chaque fois qu'il y avait un mec qui venait vers moi, je faisais ça. En mode, c'est de l'ail. Ce badge-là, il est magique, je vais le garder. Ouais, dès qu'il y a la police, tu le montres. Il y avait deux gammes. Il y avait les gens qui avaient le double. Quand on va à Carrefour, c'est les plus petits. Il avait le triple A, comme la pige. Je vais te dire un truc, on va pas le faire, mais on peut le faire. Tu vois, là, il a fait le mariage. Il dit, si vous sortez, c'est définitif. Ouais. Je viens, je fais ça, il peut pas parler. Tu rentres normal. Moi, maintenant, quand je vais à la Carrefour, il y a une queue de haut, je vais faire ça. Je vais passer devant tout le monde. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait, moi, en tout cas. Gardez la vie, ça, c'est le badge. Je sais pas si ça vous l'a fait, moi, ça me l'a fait. Je me sentais mal d'avoir ça. Ouais, mais moi, je déteste avoir des passes comme ça. Je sais pas si ça vous l'a fait, mais je me sentais grave mal d'avoir ça quand je voyais les petits en bas qui étaient. Non, moi, je voulais rentrer. Après, il y avait les gens, ils les tenaient. Par contre, dans les parcs d'attractions, grâce à ça, je me sentais en sécurité. Ah ouais, les parcs d'attractions. À tout moment, on se faisait par la foule, on se faisait prendre par tout le monde. Là, il y a Jibi, il a réussi à passer toutes les sécurités, tout ça. Voilà, un espion, il est trop fort. Maintenant, ta dernière étape, maintenant que t'es passé là-bas, faut que t'ailles là-bas. Non, il envoie au charbon là-bas, t'es fou. Tu vas là-bas, mais non, les gars. Vas-y, viens, on y va. On va aller au charbon. Non, Jibi, Sofiane, il a dit les bons foot, si tu perds, tu nous oublies pas. Tu nous ramènes à voir un match, tu sais quoi ton club préféré? Mon club préféré, PSG. PSG, bah tu nous emmèneras voir ton match alors. C'est bon? C'est carré. Mais non, emmenez-le pas au charbon, y a rien là-bas en vrai. Ah, là-bas, il y a des influenceurs. Sofiane, toi, t'es influenceur? T'influences qui? Les gars, franchement, c'est un plaisir aujourd'hui de rencontrer Sofiane. Il est comme dans les vidéos, les gars, par la clan fixe Sofiane. Franchement, c'est un plaisir. C'est des vagues. L'abonné nous a dit un truc, il nous a dit, les gars, vous avez la même voix que dans les vidéos. Allez, c'est incroyable. C'est normal. C'est normal, c'est nous. Non, là, et là, regardez, c'est les bus de Paul Pogba. Je vais vous montrer en avant-première. Regardez, il y a le PP de Paul Pogba. Et Aïssa, il va l'envoyer au charbon, le petit. C'est un ouf, Aïssa. Vous avez vu là-bas, là, où on a envoyé le petit? Et eh ben il donne des sacs Adidas, Sofiane, il a dit quoi, il donne des sacs Adidas. Wallah, on y va. Issa, il est parti là-bas, Issa. Il est parti demander des trucs. Les gars, on a réussi à avoir des masques Adidas. On a demandé, ouais, parce qu'il y avait Maes, ISK aussi, d'ailleurs, big up à lui, on a dit bonjour et tout, super gentil.
Il a dit ouais, vous êtes qui? On a dit Foot Familia. Il a dit ah non, il n'y a rien pour vous. Il n'y a rien pour nous, merde. Mais on a eu des masques gratuits.